Cette vidéo est une adaptation du mythe antique d'Europe, présenté dans les Métamorphoses d'Ovide. Nous avons choisi de mêler monde contemporain et monde antique, et d'y insérer une performance de lecture dans le texte original le latin, pour le Festival européen latin-grec 2018. Voici l'histoire d'Europe, princesse phénicienne, fille de Téléphassa et d'Agénor, roi de Tyre, qui fut aimée de Zeus. Celui-ci, pour échapper à la surveillance de sa femme Junon, choisit de se métamorphoser en taureau afin de pouvoir approcher Europe sans l'effrayer. Bonne nuit. La jeune princesse fit alors un rêve où deux continents personnifiés tentaient de la séduire. Le matin venu, pour chasser ce rêve étrange, elle alla avec ses suivantes cueillir des fleurs près de la plage de Sidon. Zeus, du haut de l'Olympe, aperçut la jeune fille jouant avec ses compagnes. Il en tomba immédiatement amoureux. Hermès, viens à moi. Qu'y a-t-il, Zeus ? Qui est cette jeune mortelle ? C'est Europe, Zeus. De quelle manière pourrais-je l'approcher ? Je vais déplacer les troupeaux vers elle et tu te transformeras en taureau. C'est la seule manière de l'approcher. Très bien. Maintenant, va. Métamorphosé en taureau, s'avance alors vers Europe au sein des troupeaux d'Agénor, son père. Non bene conveniunt nec in una sede morantur, maestas et amor, sceptri gravitate relictor, ille pater retorque deum quid extra, tricilcis inibus armata est, qui nutu concutit orbem, induito faciem tauri, mixtusque in iugis mugit, et in teneris formasus obambulat herbis. Quipe color nivis est, quam nec vestigia duri calquere pedis, nec soliut aquaticus auster. Cola toris extant armis palearia pedent cornua vara quidem, sed quae contendere possis facta manu, puraque magis perlucida gemma. Nullae in fronte minae nec formidabile lumen facem vultus habet. Miratur Agenore nata, quod tam formasus, quod proelia nullamenitur. Sed quamius mitem metiut contugire primo mox adit, et flores ad candida porrigit ora. Godet amans et deudum veniat sperata rullatus oscula dat manibus vixiam vixcetera difert, et nunc adludit viridique expulsat in herba nunc latus in fulius nivem deponit eranis palautimque metu depto modo pectora praebet virginea plaudenda manu modo cornau certis independianda nous aosa es quoque regia vergo nescia
quem premeret tergo considere tauri, cum deus a terra sicoque a litore, sensim falsa pedum primis, vestigia ponit in undis, inde habit uterus, mediique per aequera ponti, per praedam paot aec, litusque ablata relictum respicit, et dextra cornum tenet altera dorso imposita est, tremulae signantur flamine vestes. Zeus, ayant repris forme humaine, fend les flots azurés, emmenant Europe. Il l'emmène à Gortyne, en Crète, là où il avait été élevé par Rhea et caché de son père, le titan Cronos. Et dans cette grotte, il s'unit avec elle. De leur union naîtront trois enfants, Minos, Sarpedon et Radamante. Avant de la quitter, Zeus lui offrit trois présents, une robe et un collier, le chien Laelaps qui ne laissait jamais échapper sa proie, et un homme de bronze, Talos, qui la protégerait. Agénor, père d'Europe, cherchait sa fille, en vain. S'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, il envoya ses enfants et sa femme à sa recherche. Ceux-ci ne revinrent jamais. Allez chercher votre sœur qui a disparu. Mais père, nous ne savons pas où elle est. Vous ne reviendrez pas avant de l'avoir retrouvée. Europe fut ensuite épousée par le roi de Crète, Astérios, qui reconnut ses enfants et fit de Minos son successeur. Europe donna à son mari une fille, Critée. Moi, Astérios, roi de Crète, je vous présente l'élu de mon cœur, Europe.
L'Europe donna alors son nom au continent qu'il avait vu naître, et la transformation de Zeus donna son nom à la constellation du Taureau.